Bonjour à toutes et à tous, c'est Slack310 pour refaire une toute nouvelle vidéo de Minecraft, la partie 2, cette fois-ci, de mon aventure en survival. J'ai un accent de merde en anglais, ah ouais. Alors, c'est cool quoi, voilà, je vous ai dit bonjour. Je charge les gants. Donc ça risque de laguer un peu, tout simplement, parce que comme vous voyez ici, là, je suis connecté à Internet. Parce que... je vais cliquer, je crois que c'est celle-là, je suis pas sûr, ça va être celle-là. Parce que... pourquoi déjà? Ah oui, parce qu'il y a le traitement en cours de la précédente vidéo de Minecraft, en fait. Parce que là, je l'ai fait, mais genre, j'ai quasiment tourné en même temps les deux. Alors, c'est pour ça que je lag du coup un petit peu. Bon, c'est bon, c'est pas bien méchant, ça, tu vois, c'est pas... Bon, ça, si, c'est peut-être méchant, en fait. J'en étais où, en fait? Ah oui, je me cachais parce qu'il y avait un Enderman juste à côté de moi. Alors, en fait, c'est horrible. Si je me déconnecte d'Internet, est-ce que le traitement va s'arrêter? Mais non! Non, il va pas s'arrêter, le traitement. Je suis bête. La vidéo est déjà en ligne. Je me déconnecte, j'en ai pas besoin. Déconnexion de Livebox CC08C. Et regardez, comme par magie. Bravo. Bon, je disais, comme par magie, ça ne lag plus. Enfin, si. Qu'est-ce qui se passe? What the fucking god. Attends, je vais quitter le jeu. Je vais le relancer. Vas-y. Hop là, est-ce que tu lags si je fais ça? Ouais, ça c'est mon truc pour savoir si je lag, je fais clic droit et si c'est quasiment instant. Enfin, ça veut dire que je lag pas. C'est un petit truc, c'est marrant. Hunter Game. Bon, comme ça. Vous voyez mon bureau avec tous les logiciels que j'ai. Alors en logiciel de capture d'écran, j'ai eu Winink, j'ai eu Camtasia et j'ai eu. Bah, Fraps. Bon, je vais mettre en plein écran, moi, je suis aussi fou. Ah bah, vous voyez une map aventure là, multi pour V2F. Bon, c'est parce que j'aime bien ce youtubeur et tout, alors je vais essayer. Et puis en premier, c'est pas que pour ça, c'est aussi pour voir un peu. Ce que vaut ma map, ce qu'il en pense, hein, parce que franchement c'est un très bon youtubeur V2F, je vous conseille d'aller voir. Et du coup voilà, je voulais faire une map pour lui et pour l'instant je l'ai pas encore terminé. Mais ça risque d'être pas rentré, vous savez, c'est les maps là. Je le sens très mal en fait là, c'est bon. Ah mais ok, je comprends pourquoi je laguais, le décor il se charge et tout, c'est bordélique. Putain, du coup je lag. C'est à cause de toi, c'est ta faute. Regarde-moi dans les yeux, cochon, pilleur. Crème! Putain, il est rapide! C'est Echen Bolt! C'est lui? Ouais, c'était lui. Vas-y, il me faut de la bouffe là, sinon je vais mourir. Vas-y. Il me faut. Ah, mais tu dois me donner ta chair! Gros addict, c'est ta chair! Je veux ta chair! Oh là là! Oh, est-ce que ça tourne? Je vérifie au cas où ça tournerait plus. On en est déjà à 3 minutes, on va rien faire. Parce que moi j'ai le chrono, il y a certains youtubeurs qui oublient de mettre le chrono, mais moi avec mon portable, moi j'oublie pas parce que ça se lance tout seul. Ah ça lag, ah c'est parce qu'il n'y a pas tout le décor en face là-bas, c'est qu'elle gueule. Ce que je vais faire, c'est ça. Vidéo steady. Ah, je vais mettre en faux. En fait, vu que je suis en faux, ça va me... En faux, avec l'accent et tout, enfin l'accent de merde. Et vu que je suis en, en rendu grande distance, quoi, ça va générer sur des longueurs improbables. Et après, je vais me remettre en normal et ça va plus laguer, je pense. Enfin, d'après ma logique. Enfin, je sais pas s'il y a de la logique dans le jeu. Je sais pas. Ouais, j'ai du charbon. Ah oui, c'est ça. Il me faut. Je sais plus, j'ai oublié. C'est le mec, il me faut. Non, j'ai oublié. Non, ouais, il me faut ça. Alors, non, ouais. Très logique, hein, bravo. Franchement, bravo. Je vais essayer un truc. Mais je suis pas sûr que ça marche. Parce que je sais qu'on peut fusionner si jamais les. Non, on peut pas. Si jamais les par exemple, j'utilise la stone là, enfin. La pioche là. Non, je lis en fait, je connais pas vraiment les noms. Enfin, j'ai pas vraiment la. Je ferme la porte quand même. Et j'ai pas de son, c'est-à-dire que je sais pas quand il y a les zombies qui arrivent. Ah oui, c'est vrai, faut que. Bon, bah déjà, on va se faire la mine. Oh,
Ouais, c'est vrai que je suis une aventure sans lit. Je vais essayer après de faire une île flottante. Île flottante, ça fait penser au dessert. Ça, c'est trop bon ce truc. La naïve dirait. Allez hop, c'est parti. On va descendre là-dedans. Voilà. Oh bah, c'est bon, j'ai le charbon. Donc, moi, une astuce que je vous conseille quand vous allez explorer des mines comme ça, vous prenez, mais genre. Mais pas du bois en planche, hein, ou en stick. Comme ça, vous prenez. Pas de torche, enfin si vous prenez genre 10 torches au début. Et ensuite vous prenez genre pas un stuff entier mais genre je devais rien y voir là. Voilà, bon là j'ai pris ça parce que j'avais pas de bois mais dans la logique des choses ou que ce que vous sachiez, ce qu'il faut que vous sachiez. Oh, j'ai du mal à parler là, je suis fatigué. Oh, c'est tellement crevant. What the fuck? C'est pas grave. En fait, j'en ai pris qu'une, je viens de me rendre compte, j'ai pris qu'une torche. Et donc, regardez, hop, option. Vidéo statique. On va se mettre en normal. Et là, regardez. Je lag encore. Bon, c'était un fail. Donc c'est pas grave. Moi, je lag un peu moins quand même. Et ouais, donc, vous partez avec. Pas des planches, mais des bouts de bois. Enfin, des bûches. Et c'est super pratique parce que, comme vous le savez, enfin, à moins que vous soyez un peu débile, les bûches, ça loot. Quand on les prend, les bûches, ça donne 4 planches. 4 planches, enfin 2 planches, ça donne 2, 4 sticks. Il y a 4 planches, donc on en a 8. Et c'est vachement plus rentable d'être déjà dans l'inventaire, ça prend beaucoup moins de place. Du coup, vous économisez de la place, vous pouvez rassembler plus de minerais. Et pourquoi prendre pas beaucoup de torches au début? Tout simplement parce que vous allez sûrement dans les mines, vous allez trouver du charbon. Vous avez franchement beaucoup de chances de trouver du charbon. Et donc je trouve c'est super bête de venir avec 6 stuffs de torches. 6 stuffs, pardon, excusez-moi. Regardez là. Là je suis venu, j'avais pas de torches. Hein. Hop, j'ai 21 coal. Comme ça, hop, il me reste plus qu'à prendre ça. Je fais ça, cette fois je me cours pas de touche. Je balance ça, hop, je reprends ça, hop, je l'ai là. Et vu que moi j'y vais au feeling, puisque hein, j'ai dit que je suivais aucune instruction, j'allais faire aucune tactique et tout, parce que voilà, je suis un malade. Donc, oui, il y a eu une AMV que j'ai postée. Moi j'en suis assez fier, franchement. Là, en plus, sa musique elle est jolie. Enfin, jolie, elle est cool, elle ça rocks du poney, ah ouais. Ouais, non, mais je kiffe cette musique, sérieusement. Subject to Change, Sun Virtual, ah ouais. Sinon, I Am Not the One aussi, elle est superbe. Non, franchement, je sais pas si vous avez aimé, enfin, ouais, c'est vrai qu'on en est déjà à 13 abonnés, c'est mine de rien, c'est quand même pas mal. Surtout qu'en ce moment, c'est assez difficile de se faire connaître sur YouTube, parce que voilà, j'ai commencé à YouTuber, tu sais. Non, mais je cherche à faire des vidéos bah, récemment, hein, c'était il y a pas longtemps, il y a bah, à la fin de l'année scolaire, hein, quoi. À la fin de l'année scolaire dernière, là, enfin celle-là, enfin, bon voilà, vous m'avez compris. Et franchement, il y en avait. Je sais pas, soit j'ai pas eu de chance, enfin je dis j'ai, mais. Le problème, c'est que en fait, bah, j'en fais partie de ces gens-là, c'est que tout le monde s'est mis à faire des vidéos, mais quasiment en même temps. Ça veut dire que là, la nouvelle génération, soit la mienne, c'est-à-dire. Là, on est en 2010, c'est-à-dire de 1980. Attendez, je réfléchis. 1996 à 1998 à peu près. Quasiment toute cette génération a quand même pas mal, a connu quand même pas mal de youtubeurs. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup de cette génération là, de cette génération d'aujourd'hui là, qui font beaucoup de vidéos. Et ce qui fait que c'est beaucoup plus dur de se faire connaître parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et c'est beaucoup plus dur. Même si, franchement, je veux pas dire, mais je me vends. On va pas dire que je me vends. J'aime pas être prétentieux, mais. Il y a des youtubeurs qui valent plus le coup que d'autres. Franchement, je pense que je dirais pas que je suis un bon youtubeur, mais je pense que mes commentaires ils sont pas si ennuyeux que ça, quoi. Et voilà. Si on a là, c'était un petit point sur la communauté YouTube. C'était magnifique. Et voilà, je vais faire un petit chemin. Voilà. C'est le truc, je vais me faire un labyrinthe, je vais me perdre dans ma maison, comme dans la précédente maison que je vous ai parlé sur la précédente vidéo. Alors, on va tourner par là. Oui, je fais des boucles comme ça. On va faire ça pendant 8 épisodes, tu vois. Alors, épisode numéro 498. Nous en sommes encore coincés dans la mine. Nous n'avons toujours pas trouvé de sortie.
Ah, ce serait un peu con. Ah, mais... Faceplant. Oh là là. Genre, je suis allé, je me suis cassé les couilles et tout, à tout refaire ma vie, pour prendre ça, là. C'est des steaks. Et j'ai oublié de les manger. C'est très intelligent de ta part, Slide, franchement. Bravo. Voilà, bon. Moi, quand il me reste 2 barres de foin, je m'en fous. Moi, j'y vais au film. C'est bizarre quand même que je tombe pas sur de grottes ou autre chose. Hein. C'est... D'habitude, j'ai pas de chance. Genre, je tombe. Genre, je fais 2 pas, je tombe sur une grotte. C'est abusé, c'est incroyable, c'est amazing. Voilà. Je pose mes torches en bas maintenant, c'est un nouveau style. C'est vrai que c'est plus pratique. Parce que là, j'ai la torche dans la gueule, c'est pas cool. Alors que là, tu vois, je la domine la torche là. Ah là là. Voilà. Non, voilà, c'était le petit barrique. Attends, regardez. J'ai essayé de vous le faire parce que voilà. Mon autre pioche, elle a presque plus de vie, alors je vais prendre celle-là. Enfin, plus de vie. C'est le truc, une pioche, ça a de la vie depuis quand? Bah, on ne sait pas! Oh là là. J'ai pas tardé à faire une vidéo IRL pour faire un petit point sur les vidéos, sur YouTube, sur la chaîne et tout. Parce qu'il n'y a eu qu'une seule vidéo où on faisait la présentation avec Léo et c'était pas terrible, terrible. C'était pas super, super. Donc, voilà. Et c'est bizarre que je trouve rien, là. Je vais peut-être faire une technique parce que je trouve vraiment rien. Alors, regardez. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. Qu'on pouvait fusionner les trucs. Enfin. Regardez. Là, elle est toute neuve. C'est cool, ça. C'est cool, ça, comme ça, quand on a 2 pioches et tout, mais... Bon, je l'apprends, quoi. Ouais, non, en fait, Vous voyez, je me sens plus riche avec 2 pioches. C'est le mec, il est trop maniaque. Je comprends pas pourquoi je lag. C'est peut-être à cause de Fraps. Est-ce que j'ai d'autres logiciels lancés? Attendez, je regarde. Je sais pas ce que j'ai bien pu lancer comme logiciel. Je trouve qu'il y a un gros logiciel qui prend trop de place, qui est en train de charger ou un truc comme ça. Ça lui plaît, voilà, il fait ses apparitions dans mes épisodes. Allez, cette fois on monte un coup là. On va monter un petit peu. Le truc, je vais faire un roller coaster. J'ai envie de faire un roller coaster. Bah, nouvel objectif trouvé. Voilà, hop, un roller coaster. Enfin, j'ai pas mal d'objectifs. Oula, ça lag. Et ouais, un roller coaster, ça peut être marrant quand même. Le problème, c'est qu'il faut de l'or. Et l'or, j'aime pas. C'est pas cool, l'or. Parce que voilà, l'or, c'est mal. C'est la première fois que j'ai trouvé du fer, parce que le fer s'appelle Iron Ore. Et or, enfin, voilà, quand vous m'aurez compris. Et moi, je croyais trop que c'était de l'or, du coup, j'étais trop content et tout. Et puis là, je vois que c'est gris, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? What the fucking god? Et puis là, j'ai vu qu'il y avait Iron devant et j'étais un peu dégoûté. J'avais un peu le seum. Oh, ouais. Oh, voilà, on fait des zigzags, c'est cool. J'aime les zigzags. Oui, regardez, de l'Iron. Oh, ouais. Oh, mais je vais mettre une torche. Parce que c'est cool, les torches. C'est bon, les torches. Les torches, c'est bien. Alors. Oh, j'ai tout cassé, moi. Oh, c'est parfait. J'en ai pas mal. Enfin, j'en ai pas mal. J'en ai même pas 15. Même pas 15, j'en ai à peine 10. J'en ai même pas... Je dois en avoir 5 ou 6, un truc comme ça. Je sais pas c'est où. J'en ai 6. Comme je l'avais dit. Ah. Je sais pas. J'ai pas envie de mettre des panneaux non plus. Je sais pas. J'ai pas envie. Genre, je suis en train de parler tout seul, en fait. Parce que... Voilà. En fait, vous le savez pas, parce que vous pensez que je vous parle, mais... Mais en fait, quand je prends la vidéo, je parle tout seul. Hein. Et là, t'as pas l'air con, en fait. Du coup, tu vas tout barricader ta chambre pour que personne t'entende. Hein. Parce que voilà, quoi. Hein, c'est un peu la loose, hein, sinon. Ok. C'est pas utile. On va casser ce qui reste de cette pioche. Ah, il y a du charbon. Tu veux aller pourquoi c'est inutile de prendre 18 torches et tout? Il y a tout le temps du charbon à tout le champ là. Ce serait cool que je tombe sur une grotte parce que dans les grottes il y a des monstres et j'aime bien me battre. Je suis un monster killer. Non, c'est pas ça. Monster killer. Ah là. Non. Monster Hunter. Ouais, ça c'est un jeu vidéo. Et c'est cool ça. Il est gay. C'est niveau graphisme, c'est un peu comme Final Fantasy. Ça a l'air cool. Je vais peut-être me l'acheter. Et j'ai envie de faire du... Je sais pas comment on appelle ça. Mais faire des jeux d'aventure. J'ai envie de faire ça.
de filmer toutes les aventures. Déjà, on a Skate 2, mais c'est pas vraiment un jeu d'aventure, c'est plus un jeu d'arcade. C'est bien dommage, mais c'est pas mal quand même. Il y a de la terre, ça sent la grotte. Mais moi, je vais pas aller vers là. Je vais traîner. Ou alors, je creuse n'importe où, puisque je lag en fait. Et du coup, je fais clic droit, je reste appuyé et j'avance. Voilà. Non, mais attends, mais je suis désolé, hein, je vais être obligé. Hein. Parce que voilà, c'est la vie après tout. Particule minimale avec fast, fancy, fast, fancy. C'est quoi la différence? Je ne sais pas c'est quoi la différence. Oh. On va se mettre en coat. Voilà. Oui, donc je disais. Je disais quoi, j'oubliais. J'oublie, c'est pas grave. Bon, je regarderai la vidéo et je le dirai dans le prochain épisode. Et j'aime pas ça. J'aime pas les gravels. On va tourner parce que j'aime pas les gravels. Je vais mettre une torche pour dire où je dois tourner parce que sinon je vais me perdre encore. Et c'est mal de se perdre. Vous voyez voir, je suis tombé sur un gros truc et tout, genre un stuff de fer énorme et. Bah tiens, je vais casser. Et oui, c'est triste. En tout cas, j'aurai un stuff de cobble, mais. Ah oui, vas-y. 1, 2, 2, bon, voilà, il a cassé. Elle a cassé. Parce que c'est une femme. Non, c'est un nom féminin. Oups. Oh merde, j'avais pas ça. Bien sûr. Ah, je pose de la terre, alors. C'est cool, la terre. Et oui, moi, je suis dame nature, moi, je pose. J'aime la terre. Je l'écoute. Je sens. Ma mine, c'est vraiment pas logique, ça tourne dans tous les sens. C'est grave, hein. Franchement, je suis grave. Mais c'est pas grave, je m'en fous. Je crois que c'est frappe ce qui me fait laguer. Mais c'est bizarre parce que dans le dernier épisode, je laguais pas du tout et tout. Et genre, je pouvais chanter, danser tout nu et tout. Parce que, après tout, notre personnage c'est Ninja Bling Bling. Et puis lui, il a Samba. Je vous dis pas, hein. Il sait trop bien danser lui. Allez, il fait nuit. Oh, comment il m'a fait peur, l'enfoiré. Oh, comment il m'a fait peur. T'es le cochon, là, qui est là. What the fucking crud. C'est bon, lui sort le cochon. J'ai plus ce que je voulais faire. Bon, je vais me faire une pioche, puisque j'en ai plus. Oh là là. Et après, il faudrait peut-être que je bouge, tu vois. Parce que là, c'est bien cool de miner, mais bon. En fait, des fois, c'est toujours été comme ça avec moi, en fait. Je mine, mais genre, c'est ma vie. Mais... J'ai envie d'aller me battre. Préparez-vous, monstre des enfers. Pas de monstre. C'est bizarre. Bizarre tout ça. Cela ne m'inspire point confiance. C'est suspect ça. Oh, j'ai cru voir un monsieur. Bon bah non, pas de monstre cette nuit, bon tant pis. Ils font la grève. Non, y a pas de monstre. Bon, je vais prendre un champignon rouge parce qu'ils sont rares. Un champignon marron. Oh, c'est tout. Ça fera la déco. Le mec, c'est pour décorer sa maison, il met des champignons. Tout ça. Oh la classe. Mais il y a plein de cochons. Eh mais sérieusement, ils sont une quarantaine. Hein. Ah mais c'est abusé. Si je laguais pas autant, je les aurais tous butés. Mais là, je lague à mort. Alors. On va éviter. En plus, il fait nuit. Alors j'ai peur des monstres. Ouais, j'ai pas mal de cantes. Non, comment on appelle ça? Putain. J'arrive pas à le dire. Non, c'est pas grave. Du fer.
Voilà, depuis tout à l'heure, j'y pensais et tout, et puis non. Oh là là. Faceplant. J'avais déjà une hache. Oh là là, je suis sûr que tout le monde disait, mais qu'est-ce qu'il fout là? Mais qu'est-ce qui lui arrive? Bah voilà. J'ai pété un câble, j'ai le droit. Quelle loi interdit aux gens de péter un câble? Hein, je peux savoir? Dites-moi. Tout le monde a le droit d'être bizarre. Tout le monde? Même les cochons. Alors c'est bon, moi j'ai le droit. Je suis quand même un peu plus libre qu'un cochon. Je dis pas que les cochons ne doivent pas être libres, attention. Hein. Ils sont très gentils ces animaux. Ils sont très intelligents. Enfin presque. Enfin pas ceux de Minecraft en tout cas. Regarde, lui, il me regarde comme ça là. J'ai une épée, non, ça te fait pas peur, non. C'était pas compris que c'était pour te taper. Non, non, t'es une épée, c'est pour te faire des câlins, comme ça. Ou comme ça! Oh le fail! Reviens! Reviens, tu m'as fait taper la honte. Et toi tu t'es tapé à le mur. En fait à chaque fois. À chaque fois il fait. Quand les cochons ils tombent dans le truc là, ils font. Ils font un 360 à chaque fois. C'est un peu bizarre. Ils sont bizarres ces cochons. Mais bon, faut les comprendre après tout. Ils sont seuls au monde tout le temps. La 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 la. Moi je creuse. Enfin je creuse. Ce mec, ouais, j'ai creusé. T'as creusé quoi? Du bois. Super. C'est passionnant. Bon, je coupe du bois. Je bûche du bois. Enfin, ouais, bah, un bûcheron ça bûche. Je sais pas. Oh, j'ai cru voir un monstre. Non, c'est un gojon. Bon. Non, il doit y avoir un problème, hein, niveau monstre. Hein. Bon. C'est pas grave, c'est plutôt mieux comme ça. Hein. C'est tout aussi bien comme ça. Moi, ouais, les monstres, hein, les squelettes et les zombies, hein, c'est pas trop le délire d'un quelqu'un de mon âge, quoi. Non, je dis que le mec de quelqu'un de... Le mec qui se prend trop pour un ancien, alors... Ah ouais, après, des millénaires d'expérience, je découvre enfin Minecraft. Voilà. Ce monde dans lequel on le vit, un monde cubique. Franchement, bravo. J'aime ce monde. Très réaliste. Putain, j'ai cru voir un creeper. En fait, c'est encore plus stressant quand il n'y a pas de monstres parce que tu sais pas d'où ils arrivent. C'est ça, en fait, qui est flippant. C'est pour ça que je ferais pas de jeu d'horreur. Enfin, si, peut-être, je sais pas. Ça peut être drôle pour vous, mais pas pour moi. Parce que moi, j'aurai les boules. Et je vais crier comme une fillette. Non, quand même pas. Je ne crierai pas comme une fillette. C'est un champignon. Je lag, c'est la pluie. C'est pas cool, la pluie. Oh, c'est cool, le champignon, il est abrité. Moi aussi, je vais être un champignon, je vais être abrité. Oh, c'est une araignée, ça. J'ai vu une araignée. Et je suis tombé. Et j'ai peur. J'ai perdu de la vie, je sais pas pourquoi, pourtant j'étais pas haut. Il faut que je cours, je lag, j'aime pas la pluie. La pluie c'est mal, c'est mauvais. C'est pas par là, c'est de l'autre côté. C'est par où? Je suis perdu. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Bon bah, bienvenue dans notre 813. Je voulais dire un nombre, mais j'ai oublié comment on disait les nombres. Bienvenue dans le centième épisode, dans le 108e épisode, pardon. Alors voilà, on n'a toujours pas retrouvé la maison, et j'ai pas eu le réflexe de refaire une. On a retrouvé la maison, et j'ai failli mourir, et ça sent le zombie à plein de nez. Et ça sent que je vais pas... Je stresse, j'aime pas ça. Oh, c'est dans les deux. Oh, une pomme. J'aime les pommes. Moi, j'aime les pommes. Oh, qu'est-ce que j'y vais? Ah, ok. Ah ok. Je me disais, qu'est-ce que j'y vais? Oh, il y a dû y avoir un creeper, parce qu'il y a tout qui a explosé. Et, oh, il y a plein de trucs. Putain, il y a plein de pommes. Mais vas-y, moi, je suis un paumeur. Je suis paumé aussi, donc les gosses. Ah non, mais elle est là, ma maison. Depuis tout à l'heure, tu sais, j'étais là. What the fucking god. J'étais encore. Eh, mais il loue le gavé d'arbres, là, genre. Eh, mais je vais faire une collection d'arbres, moi. Je vais être un... Je serai jardinier. Oh, mon arbre, il a poussé. Yes! J'adore les arbres qui poussent. Oh là là, oh, j'ai 11 arbres. Oh là là. Non, pas sur le sable. T'es pas gentil, toi tu veux pas pousser sur le sable. Toi tu veux bien pousser ici. Toi tu pousseras là. Bah, y'a avec un copain, hein, tiens. Comme ça tu seras pas tout seul. Ouais, je parle aux arbres. Ouais, c'est cool. Elle est bien, vas-y. Ouais, là je suis pas très intéressant parce que je stresse. Et j'aime pas les monstres. Ça peut.
J'ai fait disparaître une bulle d'herbe. Voilà. On peut remplacer les herbes par des arbres. Regardez. Pouf. Voilà. Hop. Magie. Je les pose un peu partout. Et puis j'aurai ma forêt à moi tout seul. Comme un grand. Oh yeah. Ah bah je ferai ma petite carrière des sables ici. Bah, tiens au passage. Ouh non, il fait trop froid par là. Ouh là là. Il faut que je me chope un manteau moi. C'est le mec qui s'y croit trop. Le mec qui ressent et tout. Il est là. Oh. Quand il tue un cochon, tu vois, il a le seum et tout. Genre, il est dégoûté parce que c'est de bons animaux. Vous voyez, c'est des gens très honnêtes, très malins. Enfin, pas malins. Et du coup, à chaque fois qu'il pleuvait, ben, on recevait les gouttes par ici. Ça permet de. Oui, ça permettait genre de manger les pommes et ainsi. Et ainsi se doucher, regardez, on se douche, voilà, on se douche tranquillement. Voilà, hop, on prend sa douche, c'est magnifique. Donc, bienvenue dans le monde des trucs. Je vais essayer un truc. Ça marche pas. J'aurais du caramel, j'aurais fait une pomme d'amour. C'est le mec direct. Arrête, ça, j'ai jamais goûté, mais ça a l'air trop bon. Il pleut encore. Bon, c'est pas grave, je vais manger les pommes. D'ailleurs, j'en ai déjà des pommes. C'est cool, les pommes. Oh, faut que je me fasse un coffre. Ah, bah j'ai assez de bois, je pense. J'ai combien? Voilà. Je vais me faire. Bah voilà, alors là, vous voyez, vous économisez. Vous faites exactement le nombre qu'il vous faut de planches. D'ailleurs, j'en ai fait trop, ça va exprès. Vous faites un coffre. Tout simplement parce que le bois, vous allez le garder sur vous pendant que vous explorez des mines ou etc. Alors, on va poser ça, 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 ça. Ça, je l'économise, vas-y. Ça, ça. Quelqu'un a tiré la chasse, ça m'a fait flipper, mais vous l'avez pas entendu. Ah oh, on en est à 26 minutes. Bon, faut que j'arrête, faut que j'arrête, puisque ça fait le trou noir. Bon, on va poser ça. Non, ça on va garder. Ça on va poser, ça on va poser. Et là, nous allons nous quitter sur le ciel. Oh mon dieu, quel effet de perspective. Ah voilà, vous avez rien compris à ce qui vous arrive. On va se laisser sur ceci. Oh, vas-y, on m'attend, c'est le rituel. Attends, je vais même me faire un panneau pour dire. Voilà, je vais me faire un panneau et je vais marquer que c'est ici que je quitte à chaque fois. C'est ici que je dis au revoir. Le panneau du revoir. Ah non, c'est bon. J'ai pas besoin de ça, casse-toi, connard. C'est le meilleur. Casse-toi, enfoiré. Oh yeah. Et là, regardez, la trappe se transforme en panneau. Oh, c'est magique! C'est magique! Oh, quelle logique! J'aime bien Minecraft. Attends, faut trouver un endroit où on peut se quitter à chaque fois. Bah, ici, c'est cool ici. Bah, après, je changerai d'endroit sûrement. Endroit d'arrêt. Comment on écrit arrêt? De vie. Oups. D'arrêt. De vie. De. Avec des majuscules, c'est vrai. V. D. Oups. D. Ah non, ça le fait pas avec. Vidéo. Avec des points d'exclamation. Il y a un smiley. C'est cool les smileys. Comment on fait un smiley? Comme ça. Hop, voilà. Oups, j'ai oublié. Oups, ça veut pas marcher. Oups, j'en ai fait trop. C'est le mec, il. Hop, bah voilà. Je suis un triclope. Voilà, j'ai trois yeux moi. Allez, c'est parti. Endroit d'arrêt de vidéo. Oh yeah. Nous allons se laisser sur cette porte. Wouah! Moi j'aurais peut-être dû mettre les petits trucs, non, c'est pas grave. Ciao tout le monde, à bientôt. Re tout le monde, j'ai oublié de dire. Laissez des commentaires, laissez des likes, abonnez-vous et partagez. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'est gentil, et surtout que vous étiez un peu forcé. Bon, c'est pas grave. Allez, au revoir à tous, bye!